Chers amis, vous le savez, tout est un petit peu bouleversé depuis plus d'un mois avec la pandémie du coronavirus qui évidemment a tout chamboulé dans la vie de nos communautés, de nos familles, de nos personnes. Vous le savez, depuis plus d'un mois, il n'est plus possible de célébrer les baptêmes, les mariages, les messes du dimanche et de semaine, les funérailles seulement en tout petit comité. Et c'est pour cela que nous avons fait le choix des réseaux numériques, notamment Facebook, pour vous tenir au courant par des photos, des vidéos, des reportages en lien avec les sites de chacune de nos paroisses et du doyenné. Mais vu le nombre de connexions et que beaucoup d'entre vous ne sont pas connectés à Facebook, nous avons fait le choix donc de créer une chaîne YouTube et qui est beaucoup plus facile d'accès. Il suffit d'aller sur Google et de chercher catholique en valenciennois. Et vous tomberez sur la chaîne YouTube correspondante. Vous y allez, vous vous abonnez, parce qu'il faut qu'on soit rapidement plus de 1000 afin de pouvoir filmer en direct. Et d'ores et déjà dans la tête, nous avons les fêtes du Saint-Cordon à l'horizon. Peut-être que tout ne sera pas possible de célébrer à la manière des autres années. Mais en tout cas, nous ferons tout pour que la prière auprès de Notre-Dame, qui est juste derrière moi, derrière ce vitrail de Saint-Géry de Valenciennes, pour que la prière à Notre-Dame puisse être belle, bonne et porter beaucoup de fruits. Alors tous rendez-vous sur YouTube catholique en valenciennois.